Roux, directeur opérationnel de la société Identec. Je suis doctorant en sciences de gestion, en plus d'être à temps plein dans le cadre de la société Identec. Doctorant en sciences de gestion, et notamment j'ai étudié les aspects acceptabilité de la télémédecine bucco-dentaire, qui est aussi le sujet ou l'objet d'activité de Identec, parce qu'on est le fournisseur, le développeur et le fournisseur de la solution IDENT, qui permet de réaliser un bilan annuel systématique dans les établissements médico-sociaux pour des personnes en situation de mobilité réduite, avec un chirurgien dentiste qui est à distance, qui peut être libéral ou hospitalier. La société a été créée depuis 2015 suite à un projet de recherche du CHU mené par le CHU et l'Université de Montpellier pour valider le concept de télémédecine bucco-dentaire. Et suite à ce projet, la société a été créée pour généraliser le concept un peu sur le territoire français et pas que, parce qu'aujourd'hui on a déjà un projet aussi à l'international. De Montpellier et l'université Avant d'être directeur opérationnel de la société, j'étais doctorant à l'Université de Montpellier. D'accord. Et donc j'ai travaillé sur le projet expérimental du CHU de Montpellier et de l'Université de Montpellier, où l'équipe du docteur Giraudot, ils ont validé les aspects liés aux contraintes juridiques pour pouvoir faire ce type d'activité, et aussi du point de vue clinique, parce que la première validation pour la télémédecine bucco-dentaire, ça doit être aussi la qualité du bilan réalisé à distance. Est-ce qu'il est au même niveau de qualité qu'un bilan réalisé par un chirurgien dentiste qui se déplacerait dans l'établissement pour réaliser un bilan avec sa sonde et le miroir pour être à côté du résident. Donc cette problématique-là, elle a été validée par l'équipe du docteur Giraudot, et les aspects liés à l'acceptabilité des différents intervenants et au système d'information. Donc après, système d'information, peut-être ça semble complexe, mais en fait, système d'information, ça veut dire toutes les ressources, que ce soit des ressources humaines, informatiques, techniques, organisationnelles, qu'on va mettre en place, et financières, bien sûr, qu'on va mettre en place pour collecter, stocker, partager la donnée. Et donc, dans ce contexte de télémédecine bucco-dentaire, on parle de données de santé. Et donc, parce qu'on parle de données de santé, il y a des réglementations à suivre, et donc toute une particularité qui fait que le processus, il doit être maîtrisé de A à Z, et on ne peut pas déployer la télémédecine n'importe comment. Donc, le savoir-faire d'Identec aujourd'hui, il est dans cette maîtrise de comment je peux déployer la solution. La solution, elle est unique. Par contre, l'usage, il est différent. Donc, en fonction du type de patient, en fonction du type d'établissement, en fonction de territoire, l'usage et l'utilisation de ce dispositif, il va être différent parce que les contextes sont différents. Pas tous les territoires ont le même nombre de chirurgiens dentistes, pas tous les territoires ont à côté un centre hospitalier qui peut prendre en charge des patients. Et donc, c'est des problématiques de spécificité pour chaque projet qui font que aujourd'hui, avec Identec, on accompagne nos partenaires, parce que j'aime le mot partenaire, on n'est pas, on voit pas nos clients juste comme des clients, c'est des vrais partenaires, parce que nous, on fait le logiciel, on maîtrise bien tous ces aspects-là, mais au final, c'est nos partenaires qui font le travail sur le terrain, et c'est ensemble qu'on trouve la solution la plus pertinente pour l'objectif qu'ils se sont posé. Le projet de télémédecine, ou la solution de télémédecine, c'est un aspect, mais cette nouvelle forme d'organisation, elle doit s'intégrer déjà dans une organisation existante, dans chaque établissement. Et donc c'est ça la complexité, et c'est là où c'est compliqué. Et peut-être c'est aussi pourquoi aujourd'hui on a un taux d'échec très faible. On a tous les établissements qui ont souhaité commencer cette activité, ils continuent à l'utiliser, parce qu'ils ont pu dépasser les différentes barrières, les différents obstacles qu'on peut rencontrer dans cette mise en place, parce qu'on n'a pas, on n'est pas dans un contexte où on peut maîtriser tout. Je disais tout à l'heure que le temps, on ne peut pas le maîtriser. Mais de la même manière, on ne peut pas maîtriser
l'humain, on ne peut pas maîtriser des facteurs qui peuvent intervenir et donc créer des frustrations ou créer des barrières à l'utilisation du dispositif. Et donc c'est ça notre force, c'est qu'on accompagne les établissements à dépasser toute cette phase critique du projet. Et donc au final, on arrive sur une activité de routine qui s'intègre aussi dans l'organisation de l'établissement. Et donc on peut considérer que le projet, il est abouti ou opérationnel à peu près un an après le démarrage. Et donc on fait un suivi régulier avec des réunions avec tous les acteurs impliqués, tous les 2-3 mois, 6 mois, 12 mois, jusqu'au moment où on considère que les structures sont opérationnelles. Et donc en fait, elles font cette activité sans beaucoup d'interventions de notre part. D'accord. Donc pour l'adage, vous avez dû adapter un peu le dispositif. Et comment ça s'est passé, la formation? Comment s'est passé le processus en fait pour rendre ça opérationnel? Le projet d'adage est un projet qui nous tient à cœur parce que ça faisait un moment qu'on discutait avec les différents acteurs, direction de la qualité de soins. Et donc ils ont bien compris que pour déployer ce projet, il faut être prêt. Et donc ils se sont donné tous les moyens pour être prêts. À un moment donné, quand ils ont considéré qu'ils ont assez d'établissements qui souhaitent participer et qu'ils ont trouvé la bonne équipe projet, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, ok, maintenant on peut déployer la solution. Et donc on a travaillé ensemble. La solution n'a pas dû être adaptée. Par contre, la façon de travailler, on a essayé de trouver des solutions parce que les établissements de Adage, aujourd'hui, ils mutualisent un seul dispositif. Donc c'est un peu notre vision des choses, c'est qu'on sait le temps nécessaire pour réaliser un bilan, et donc aucun intérêt d'acheter un dispositif pour un établissement dans un contexte dans lequel on souhaite avoir un bilan annuel pour tous les résidents qui le souhaitent. Donc aucun intérêt d'avoir ce dispositif 24 sur 24 dans l'établissement, avec une bonne organisation, les 6 structures qui participent au projet mutualisent le même dispositif, et donc il y a une coordination, une planification de qui va avoir le dispositif la semaine 12, qui va avoir la semaine 13, si jamais quelqu'un souhaite l'avoir une semaine supplémentaire, tout peut s'organiser, mais il y a un travail réel de coordination entre les différentes structures de Adage. Et donc c'est là où c'est devenu un peu compliqué, parce qu'on avait l'établissement qui utilisait le dispositif il quittait l'établissement, et donc ensuite pour récupérer les comptes rendus et organiser la prise en charge des patients, ils étaient dépendants du dispositif. Donc l'adaptation qu'on a fait, c'est qu'on a créé des accès aux établissements directement sur la plateforme, la même plateforme sur laquelle se connectent aussi les chirurgiens dentistes pour réaliser leur analyse et donc éditer ou générer ces comptes rendus en format PDF. Et donc les établissements peuvent se connecter indépendamment de l'outil de collecte de données et donc récupérer les comptes rendus et donc organiser la prise en charge des patients en fonction des scores d'urgence qui ont été établis par le chirurgien dentiste à distance. Et donc c'est de là que l'accès aux soins il est amélioré, parce que la problématique devient de comment je prends en charge 200 personnes, devient de comment je prends en charge 30 personnes qui ont besoin urgentes de soins, comment je prends en charge les 50 qui ont besoin de soins dans les prochaines 3, 4, 6 mois, et comment je prends en charge ceux qui n'ont pas besoin de soins, donc pas besoin de les déplacer chez le chirurgien dentiste. Mais par contre, il y a des recommandations sur l'hygiène, il y a des recommandations d'utiliser des moyens complémentaires pour améliorer l'hygiène, donc en fonction du cas. Donc on arrive avec un besoin de soins qui est objectivé, et on arrive avec des recommandations adaptées au contexte du résident. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de soins ou de prise en charge personnalisé, on est complètement dans ce contexte-là. On est dans un contexte où on ne va pas déplacer la personne chez le chirurgien dentiste s'il n'y a pas forcément besoin de soins. D'un côté, parce que c'est un stress pour les résidents, sortir de l'établissement, et surtout pour voir le chirurgien dentiste, c'est déjà angoissant
pour 15% des Français, c'est angoissant. Donc, dans le handicap, encore plus, parce qu'il y a une certaine crainte et que les troubles cognitifs, etc., rendent en fait la collaboration avec le chirurgien dentiste assez compliquée ou assez complexe. Et donc, on ne peut pas réaliser les soins de la même manière qu'on le réalise pour des patients lambda. Donc ça, c'est une particularité pour les personnes en situation de handicap. Un autre aspect, c'est que la logistique pour déplacer tout le monde chez le chirurgien dentiste, elle est possible, mais elle est très, très chronophage pour les équipes, pour les établissements. Et la plupart des cas, un déplacement juste pour avoir une consultation, elle est presque inutile, dans le sens où si je déplace la personne, c'est mieux de pouvoir faire déjà les soins. Et donc avec un diagnostic à distance, on peut déjà, si le patient a besoin de prendre quelques soins avant de voir le chirurgien dentiste, il peut venir pour le rendez-vous de soins en étant déjà préparé pour la réalisation de soins. Et surtout, lors de la prise de rendez-vous, le chirurgien dentiste traitant, celui qui a été choisi par les résidents ou la famille, donc il n'y a pas d'obligation d'aller voir un chirurgien dentiste ou un autre, c'est au choix du patient qu'on respecte. Et ce soin, il va être réalisé dans les meilleures conditions parce qu'on a eu en amont une estimation du besoin de soins du résident. Et donc, même le chirurgien dentiste, il peut mieux prévoir le temps nécessaire pour réaliser ce type de soins. S'il y a besoin de plus de temps qu'une séance normale qui est estimée à 20-30 minutes, ben il peut planifier ça et donc ne pas avoir certaines frustrations dans le cabinet qu'il a dépassé le temps alloué et qu'il y a des retards sur les autres rendez-vous, etc. Je suis Nicolas Giraudeau, je suis chirurgien dentiste, maître de conférence des universités, praticien hospitalier à l'Université de Montpellier et au CHU de Montpellier, dans le département de santé publique, donc de ce CHU de cette université. J'ai une petite spécificité, c'est qu'après mes études d'odontologie, j'ai fait un master 2 et une thèse en droit de la santé sur les aspects réglementaires de la e-santé et de la télémédecine en général, et plus particulièrement de la télémédecine bucco-dentaire. Et c'est ce travail doctoral, ce travail de thèse, qui a donné naissance au projet IDENT, puisque j'ai pu valider sur le plan réglementaire la possibilité d'un chirurgien dentiste de participer à une activité de télémédecine et les différents points réglementaires ou qui pouvaient poser crainte ou question sur ce sujet-là ont été résolus. Mon rôle au sein de ce dispositif ADAGIDAN, c'est d'analyser, soit directement, soit en supervisant les étudiants du service d'odontologie en 5e ou 6e année qui analysent les données, de poser ensuite un diagnostic en fonction des vidéos qu'on a pu réaliser, de proposer un parcours de soins adapté par rapport à l'état cognitif, l'état général et l'état bucco-dentaire du patient, de l'usager, du résident qui nous est transmis par le système de télémédecine, et d'essayer d'être le plus facilitant sur la prise en charge particulière de ce public. Et en amont, j'ai aussi réalisé les formations des équipes, des professionnels des établissements d'adage qui participent à la télémédecine, en les formant à l'odontologie en général, très rapidement, mais surtout à l'utilisation du dispositif IDENT, la caméra, le logiciel, pour être sûr que les informations puissent être de la meilleure qualité possible. La télémédecine bucco-dentaire doit être considérée comme un outil, et non pas comme une fin en soi. La télémédecine bucco-dentaire toute seule n'a pas de sens. La télémédecine bucco-dentaire doit s'intégrer dans un parcours et dans une prise en charge complète qui comprend la formation et la sensibilisation à la fois des professionnels de santé, mais aussi de la population et des patients lorsque cela est possible, bien évidemment. La télémédecine va être ensuite un rôle et un outil pour identifier les besoins de façon le plus précoce possible et de façon le plus systématisée possible. L'objectif de la télémédecine, c'est vraiment de pouvoir simplifier l'identification du besoin en soins sur des publics à besoins spécifiques, puisque la difficulté qu'on peut rencontrer pour déplacer les professionnels ou déplacer les patients, du moins pour se rencontrer, est facilitée par la télémédecine. Ensuite, la télémédecine doit forcément entraîner, si c'est nécessaire, la prise en charge de soins, et l'idéal est de pouvoir que cette prise en charge de soins soit optimisée,
donc de diminuer les temps d'attente, déjà, parce que c'est très long de prendre rendez-vous chez le dentiste d'une manière générale et encore plus quand on est à besoin spécifique, mais surtout de pouvoir l'orienter vers le patient ou le professionnel pardon, qui sera le plus compétent possible et adapté par rapport à la prise en charge. Encore une fois, en fonction de l'état général, de l'état cognitif et de l'état bucco-dentaire du patient. Le projet IDENT, porté par le CHU de Montpellier depuis, nous dirons, janvier 2013, est parti de trois points de constat. Un, sur le plan réglementaire, la télémédecine est arrivée en 2009 ou 2010, où on avait plus de visibilité sur ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire pour la télémédecine. Deux, l'utilisation de la caméra intraorale que nous utilisons, donc avec la lumière fluorescente si particulière, qui nous permet de faire un diagnostic à distance de qualité, a été validée dans le laboratoire de recherche de la faculté d'odontologie de Montpellier. 3. Le besoin, puisque nous sommes chirurgien-dentiste en général et chirurgien-dentiste hospitalier encore plus, énormément sollicités pour la prise en charge des patients à besoins spécifiques. En réunissant ces trois points, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une réelle possibilité d'améliorer ce parcours de façon à pouvoir le rendre plus accessible et surtout de le rendre plus systématique. Donc c'est cette genèse et cette rencontre à la fois réglementaire, technique et clinique qui a permis la naissance du projet IDENT. Suite à ça, il a fallu créer et organiser l'outil télémédecine qui respecte toutes les obligations réglementaires, la protection des données, la qualité surtout du diagnostic, puisqu'il a fallu faire une étude clinique qui a bien validé le fait que la qualité du diagnostic était similaire entre télémédecine ou de façon traditionnelle en présentiel ou en face-à-face, s'assurer que toutes les données respectent, et le transfert de données respecte tout ça. Et donc ce projet IDENT ensuite a été mis en place dans le cadre d'une expérimentation avec le soutien de l'Agence régionale de santé à l'époque, Landau-Croussillon, en 2014, notamment sur trois maisons d'accueil spécialisées. La télémédecine change complètement les paradigmes, que ce soit la télémédecine en médecine, en cardiologie, en radiologie, en rhumatologie, ce que vous voulez, et en télémédecine bucco-dentaire encore plus. Elle change le paradigme puisqu'elle ajoute un professionnel de santé dans une relation de soins qui n'en comprenait que deux, le patient et le chirurgien-dentiste. Maintenant, nous avons une troisième personne, qui est le professionnel de santé qui va recueillir les informations nécessaires au diagnostic, une infirmière, un aide-soignant, en fonction des établissements, peu importe. Il faut juste qu'il puisse avoir les compétences de pouvoir recueillir les informations nécessaires au diagnostic et qu'il le fasse d'une qualité suffisante pour pouvoir permettre un diagnostic de qualité. Donc, il y a déjà un premier temps de recueil d'informations, d'informations médicales, informations administratives, informations sur l'état cognitif et d'acceptabilité de l'ouverture buccale, par exemple, ou comment le patient a accepté que la caméra puisse être utilisée, et ensuite les vidéos qui vont nous permettre de faire le diagnostic. Tous ces éléments-là sont enregistrés à un instant T, puis transférés, de façon sécurisée bien évidemment, et un chirurgien-dentiste, en l'occurrence du CHU de Montpellier, va pouvoir analyser les données, proposer un diagnostic, un parcours de soins adapté et une priorisation. Est-ce qu'il y a urgence, moyenne urgence, peu d'urgence ou pas d'urgence du tout, donc pas besoin de soins pour ce patient. Voici un peu l'organisation et de ça, de cette analyse, de ce diagnostic du chirurgien-dentiste va sortir un compte-rendu qui sera retourné de façon sécurisée toujours bien évidemment vers l'équipe de soins qui prend en charge le patient et l'organisation de la prise en charge sera faite. Aujourd'hui, nous travaillons le CHU avec le Conseil national de l'ordre, mais aussi départemental de l'ordre, pour essayer d'identifier des praticiens qui pourraient être plus à même de pouvoir prendre en charge ces patients. C'est un petit peu compliqué à mettre en place sur le terrain, puisque des règles déontologiques et surtout réglementaires, code de santé publique, doivent assurer une certaine équité et une certaine liberté de choix du patient pour choisir son praticien, mais aussi une liberté d'exercice pour le praticien. Donc il faut qu'on soit sûr que nous respections toute la déontologie et toutes les règles pour faire en sorte que la prise en charge de ces personnes à besoins spécifiques soit optimisée dans ce cadre. Le terme de délai, techniquement, ça peut prendre quelques minutes, puisque même si nous ne sommes pas en direct, pour une raison organisationnelle, c'est techniquement possible, mais il est toujours difficile d'avoir déjà trois personnes en même temps, au même endroit. Alors, avoir trois personnes à deux endroits différents, c'est encore plus compliqué. Nous avons choisi une organisation en mode asynchrone.
Donc techniquement, entre le temps d'enregistrement, le temps de transfert, le temps d'analyse, ça peut prendre effectivement quelques minutes. Dans la pratique, on essaye de le faire en moins d'une semaine, mais malheureusement, il peut arriver qu'on ait un petit peu de retard sur l'analyse dû aux vacances de nos étudiants ou à l'activité du centre de soins du CHU de Montpellier qui nous empêche de pouvoir aussi rapidement que ce que les vidéos nous arrivent. En tout cas, on essaie de respecter un temps de une semaine ou deux semaines pour pouvoir réaliser les bilans. Alors, avant le dispositif Identex, c'était super compliqué parce qu'il fallait faire un accompagnement à part entière pour le résident chez le dentiste. C'était source d'angoisse parce qu'il fallait sortir de la structure, source d'angoisse parce qu'on va voir un dentiste qu'on ne connaît pas, et source d'angoisse parce qu'on peut faire des soins, c'est pas forcément agréable d'ouvrir la bouche. Enfin, voilà, depuis qu'il y a Identec, cette visite-là de contrôle, entre guillemets, elle est faite ici. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages sur l'angoisse du résident, sur le suivi, parce que du coup, ben, on peut faire le suivi beaucoup plus rapproché de ces résidents qui avaient du mal à sortir. Donc le fait qu'on puisse faire ces visites rapprochées avec le système Identec, ça permet de voir de suite s'il y a des problèmes dentaires et d'éviter du coup les anesthésies générales. Donc le projet adaptable ici aux quatre seniors parce qu'on prend en compte les désirs des résidents. S'ils veulent être par terre sur un coussin, on les met par terre dans un coussin. S'ils veulent être sur un fauteuil, sur rester dans leur fauteuil, ce qui va engendrer chez eux le moins d'angoisse possible. Des fois, il y en a qui nous demandent s'ils veulent de la musique. C'est super, Philippe, ce que tu fais, vraiment. Allez, tu me dis quand t'es au fond. Moi, j'ai l'impression d'être au fond. Tiens, allez, comme ça. C'est bon ? Ouais, ça tourne. C'est bien. Tu ouvres bien la bouche. Très bien, Philippe. Ouvre grand. Ouvre encore. Ouvre, 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 ouvre. C'est bon, là ? Là, il y a des dents, mais t'es pas dessus. Essaye de te reculer un peu. Il y a des dents, là ? Ouais. Enfin. Mais c'est les dents de l'autre côté. Ouais. Tu les vois ? Non. Ouvre grand. Très bien. Ouvre. Il est mort. Ouvre. Ouvre, ouvre, ouvre. Allez, Philippe. Ah oui, là, je vois. Mais tu n'es pas dessus. Ouais, s'il est ouvre pas. Ça le fait rire. Attends, on va la reprendre. On va la doubler. Ou la refaire carrément, parce qu'il n'y avait pas trop. Ça va, Philippe ? Ouais. C'est bien, Philippe. Allez. On refait en haut, d'accord ? On refait en haut ? Tu me laisses faire ? Oui ? Allez. Hop, on ouvre la bouche. Grand, 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 grand. Super. Alors là, bravo. Hein. Là, on y est. Génial. Allez. Allez. Bon. Super. Très bien, Philippe. Voilà, là, t'es sur la dent. Super. Voilà. C'est bon ? Ouais. Allez. En fait, le projet de base, donc pour compléter ce que tu disais, mais le dire sous une autre forme, c'était vraiment de donner accès à des résidents, mais quelle que soit leur pathologie, puisqu'on a aussi, on avait contacté aussi le champ social, oui, au niveau de l'adage, c'était de donner la possibilité à des gens qui ne peuvent pas se déplacer en cabinet pour plusieurs raisons, d'avoir accès aux soins. Donc c'est le soin qui se déplace vers les personnes qui ne peuvent pas y avoir accès. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Et c'est vrai que cette histoire d'unité mobile, en fait, puisque l'idée, c'était une unité mobile, que ce soit un bus, que ce soit voilà, n'importe quelle autre forme que ça peut prendre, l'idée de l'unité mobile est effectivement
très complexe à mettre en place, puisque ça nécessitait un partenariat de plusieurs instances, dont effectivement l'ordre des chirurgiens dentistes, qui, d'après ce qu'on a su, n'y était pas favorable. Et donc on est parti sur le projet du dépistage à distance, qui permettait au moins déjà, effectivement, comme tu l'as dit, de pouvoir dépister les résidents, les soins, voilà, qui sont toujours un peu compliqués avec des résidents qu'on accueille, et de pouvoir au moins faire un dépistage sans passer par la case anesthésie générale par laquelle on passait la plupart du temps. Voilà, mais c'est, je dirais que c'est une partie du projet qui se situe un peu en amont. Après, il reste quand même toute la problématique du soin, et qu'on continue à faire, nous, soit à la faculté d'odontologie, soit en cabinet libéral, avec des dentistes, des professionnels qui sont un peu quand même sensibilisés au handicap. Et maintenant, avec Andy Consulte. Et avec Andy Consulte, à Propara. Parce qu'ils ont un fauteuil de dentiste. Mmh. D'accord. Mais ça reste le problème quand même le plus prégnant, c'est quand même l'accès aux soins. Mmh. C'est-à-dire aller chez un dentiste, ne pas avoir une anesthésie générale, enfin, ça reste entier comme problème. Bon, là encore, le diagnostic, c'est bien aussi, parce que bon, quand même, ça... Alors, sachant que ça a ses limites aussi, c'est qu'on sait qu'avec certaines personnes, notamment les résidents qu'on accueille, bon, de toute façon, il y en a certains qui ne se laisseront pas approcher, que ce soit pour un dépistage avec une caméra, que ce soit pour n'importe quoi. Donc, il reste quand même une partie, on va dire, de la population qu'on accueille, qui de toute façon oui, n'aura pas accès et il faudra aller en cabinet. Parce qu'il y avait aussi cet aspect-là, et aussi ce qui nous paraissait intéressant, ce qu'on a travaillé aussi avec la mutualité, c'est effectivement tout l'aspect vraiment soins, hygiène au quotidien. Oui. Donc l'idée, c'était effectivement de dépister les grosses pathologies ou les choses qui pouvaient poser problème, mais c'était aussi de sensibiliser le personnel aux soins bucco-dentaires, puisqu'on sait que des soins bucco-dentaires qui sont défectueux ou qui sont mal faits peuvent générer d'autres pathologies plus graves. Donc la mutualité nous a accompagnés là-dessus sur du matériel adapté, des brosses à dents spécifiques avec des formes qu'on ne connaissait pas. Voilà, et tout une adaptation de l'environnement de la salle de bain qui permettait justement d'avoir des accès plus faciles, à la fois pour les résidents qui pouvaient le faire eux-mêmes, mais aussi pour les accompagnants qui le font à la place, on va dire, des personnes qui ne peuvent pas le faire. Et là, donc, on en est à une année de fonctionnement sur la caméra, sur tous les établissements de l'ADAGE, qui se prêtent la caméra à tour de rôle, qui font tourner la caméra à tour de rôle, puisqu'on l'a acheté en commun. Donc, il y a des copiles pour voir un petit peu où on en est, les difficultés qu'on rencontre et tout. Et là, bon, ce que je disais avec les personnes qui sont référentes bucco-dentaires chez nous, puisqu'on a une infirmière et une aide-soignante et une AMP qui sont référentes bucco-dentaires, donc elles peuvent, c'est elles qui font les diagnostics avec la caméra, il y a une pièce qui est dédiée à ça, etc. Donc. Et comment a été accueilli le projet, autant par les résidents que par le personnel dans l'établissement ? Bien. Par le personnel, ça a été plutôt bien accueilli, parce que c'est vrai que, enfin, je pense notamment à la masse, mais ça va être sûrement pareil à l'EM. Les soucis d'hygiène de soins bucco-dentaires, c'était quand même quelque chose sur lequel on avait des difficultés. Voilà. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des lacunes par rapport à ça. Donc voilà, le fait d'y répondre, c'était quelque chose qui a vraiment répondu aux besoins des résidents, mais aussi aux attentes du personnel qui accompagne les résidents. Après, au niveau des résidents, à la masse... Si, ils étaient contents, les résidents. Nous, on a fait la difficile CVS, à évaluer, mais... Oui, au CVS, bon, à la masse, ils ont des grosses difficultés de communication. Mais quand même, bon, on peut le voir qu'ils accueillent bien, c'est-à-dire que quand ils connaissent quelqu'un qui leur fait le soin, oui. Ils ouvrent bien la bouche, ils leur parlent. Moi, j'ai assisté à une ou deux séances. Bon, ben, elles les connaissent, donc elles peuvent avoir un petit mot à aller. C'est pas pareil que quand on va quelque part où on. Ce que disait M. Aptel, c'est-à-dire prendre la voiture, on sait pas où on va. C'est quand même un peu compliqué. Et puis, au niveau des résidents du foyer qui ont un peu plus de facilité à communiquer sur certains. Le CVS, où on a eu tous les parents et des membres du CVS sont des résidents,
ils étaient très contents. En plus, elle a été très pédagogue, elle avait amené une espèce de gros dentier, une grosse brosse à dents, pour voir comment on se lavait bien les dents. Et il y en a qui ont dit, ah, ben, moi, je ne fais pas comme ça, ben, ça c'est bien. Et après, après, ça a fait boule de neige dans les autres pavillons. Et puis, le personnel a très bien accueilli ça. Ça, ici, pas de problème, au contraire. Ils sont demandeurs de choses qui facilitent aussi leur prise en soin, hein, parce que forcer quelqu'un à aller chez le dentiste, là on est quand même à même si on les envoie pas pour la consultation, ouais, d'après ils vont à l'extérieur, là au moins le premier pas il est fait ici, donc ça c'est important, ça. Donc ça, eux, ça leur a amélioré quand même beaucoup le